se met trop bien qu'on te laissera. Pourquoi? On se fait chier. Oh, il est là. Il est là, ce petit chien. Le design, on le met à 4. On n'est pas en mode tactique. Tout simplement. Les placements, 0. Obstacle, 2. Opportunité, 1. Les opportunités à saisir ici sont très, très, très faibles. Je veux dire, par là, tu peux te faire promener par un hélio, c'est terrible. Donc, la map, l'arène 200, finit avec un 7 sur 20. Un féca. Bon, je m'en fous. Moi, je fais mon barème. Qu'est-ce qu'il me veut? Alors, ici, les placements. 6. Le design de map. 2. En fait, le problème, c'est que quand on retire mode tactique, il y a une sorte d'aura rouge, là, qui casse le côté flat. Dommage, dommage. Ensuite, les obstacles. 3. Opportunité. Non, je... En fait, il faut que je taille la map sur un truc. Donc, je vais mettre obstacle et opportunité à 2 et 2. Parce que ce couloir-là de une case, il est terrible. Terrible, terrible, terrible. On est combien à s'être cassé les dents dans ce petit couloir ? Donc cette map obtient la note de 12. Ça va. Petit applaudissement. Le design, on reste à 2. Toujours le problème des lueurs. Concernant les placements, ils sont à 8. Bravo Ankama. Les opportunités sont de ce fait à 4. Quant aux obstacles, je les mets à 4 aussi. C'est parfait. Cette map est parfaite, symétrique. Attention, attention, ces petits coins-là, on peut vite se faire emmerder. Moi, je dégagerai juste ce bloc, mais ça ne justifie pas de retirer un point pour ça. On est sur un 18. Applaudissements pour la map, s'il vous plaît. T'as PVM ? Bah, en PVM, tu tapes pas les morts mêlés, quoi. Donc oui, il y a un 4 feuilles. Pas si vite. Non, non, ne fais pas ça. Ok, cool. Bien joué, Simon. Ah, cette map. La map Ephedria. Donc, le design, elle est très belle. 4 sur 4. Bravo, bravo, bravo. Bravo, super, super. Les placements, 0. 0 en placement. Les obstacles, c'est 1. T'avances, tu te fais torcher. Les opportunités à saisir, c'est 0. Cette map, c'est un 5 sur 20. Rattrapage. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Voilà. J'optime mon tour. Petits oignons. Qu'est-ce qu'il a à faire, lui, de son côté? Je suis un crat, alors il faut pas que je m'expose. Il a tout à fait raison. Ok, il s'expose. C'est la plus grosse bêtise de sa vie.
Attendez, je peux me tromper quand même. Hein. Hop. Et hop. Kama, mais c'est pas de ma faute si votre map mérite un 5 sur 20. Arrêtez de me le faire payer avec des no-crits. Il nous reste 15 HP. C'est rien. Tranquille. Bon jeu, Ribzor. Alors, cette map, le design... Non, il y a eu pire. Hein. C'est une map qui reste plus ou moins lisible. Encore une fois, il y a des petites brumes comme ça, par-ci, par-là. Mais franchement, il y a pire. Alors, les placements sont plutôt sympas. Je vais mettre à... En fait, les placements sont pas ouf, mais la qualité des obstacles est présente. Quant aux opportunités, 2. Pas beaucoup d'opportunités ici. Mais on n'est pas dans un néant. Tac, tac, ce qui fait une map à 13. 13 sur 20, bien joué, elle. En fait, les placements sont pas ouf pour du mêlée, c'est sûr. Mais tu peux bien te rapprocher là, voir là si t'es très motivé, et forcer l'adversaire à utiliser 3 PA au moins pour te choper en ligne de vue. Donc, il y a quand même des trucs à faire. Oh, on est tombé contre sur la même map tout à l'heure, Koukouro. Mais maintenant, je suis beaucoup plus expérimenté. C'est pour ça que je pense que tu as perdu. T'as quoi dit? J'en ai 6000, je pense. 6000, ouais. Mmh. Très bien, Koukouro. J'ai failli faire une grosse bêtise. Ok, sur ça... Oula, Ankama, c'est pas votre veine. Parce que là, encore, il y a des maps qui ont quelques avantages. Celle-ci, j'en vois pas. Le design, 0. Les placements, 0. Les obstacles, 2. Deux, les obstacles. Opportunité 0. 2 sur 20 la map. 2 au rattrapage. Ça vire. Non, les obstacles. Allez, je vais mettre 3 en obstacle. Je veux dire, par là, si on change les placements, on peut faire un truc. En changeant les placements, on peut saisir des opportunités. Ouais. Et on peut récupérer au moins 10 sur 20, quoi. Alors, cette map. Le design. 1. Les placements. 2. Obstacle. 4. Opportunité. 1. Ce qui nous fait une note de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bah en fait, ça, avant l'apparition des nouvelles maps avec des placements vraiment de merde, avant l'apparition de ces nouvelles maps, c'était la pire. Vous voyez, on est sur un 7 sur 20. Aujourd'hui, les nouvelles maps qui nous ont mis là, on est sur un 2 ou 3 sur 20. Hein. Après, il y a des nouvelles maps qui nous ont mis qui nous sont à 18 sur 20, bien sûr. Alors, le design de la map. Moi, je vous dis, elle est belle. On va être à 3. Les placements sont à 8. Les obstacles ici sont à 4. C'est magnifique.
Les opportunités sont à 4. Purée, on a... Est-ce qu'on n'a pas le 19? Ah, oh, on a le 19. Tout à l'heure, on était sur un 18. Là, on a le 19. Juste grâce au design de la map. Qui permet de passer au-dessus de l'autre map. Quoi. Parfait, parfait. Bravo, bravo Ankama. Ah, design. Faut dire, elle est belle, hein, elle est belle, y a pas de problème. Elle est belle, elle brille, mais elle est belle. Hop, placement. Je mets à 6. Obstacle. 4. Opportunité. 2. On met la moyenne. Ce qui fait 14 pour cette map. Très bien, continue. Continue tes efforts. Design de map, 4. Très, 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 très belle. Oh. Magnifique. Les placements. Je vais mettre un 4. Obstacle, on laisse à 4. Opportunité, on met à 3. Sur cette map, on est sur un 15. Non, opportunité, je mets à 2, pardon. On est sur un 14. En fait, ça aurait été juste perfect. On était à 6, voire 7 de base. Si le placement était ici, et là, ou ici, et là. En vrai, putain, je fais quoi? Pardon, Shuna. En vrai, le placement ici et là. Bref, ça aurait été mieux. Sur toutes les classes, on sort, mais Lio, va falloir qu'on te redonne des cours. Non, non, les Lio, je m'en sors très bien. En fait, le seul problème de les Lio que j'ai, c'est que je n'ai pas le temps de compter les cases entre les portails. C'est vraiment ça, hein. Je n'ai pas la patience de compter le nombre de cases entre les portails. Je suis un farmer. Donc, je fais ce qui me semble cohérent à l'œil nu en termes de redirection. Mais des fois, oui, ça se joue à une case. Je ne vais pas prendre le risque de recompter le nombre de cases pour faire ma redis. En farm, le farm s'oppose pas mal à la base au gameplay Helio. Donc cette map, alors cette map, le design, c'est un... Voilà, c'est ouais. Bon. Je vais mettre un 1, je vais pas être trop sévère. Yonk. Concernant les placements, ils sont à... Allez, je vais être cool, je vais mettre 1. 1 en placement. Obstacle 4, opportunité 4. On pouvait, en fait, on avait un produit de ouf, mais les placements ont tout ruiné ici. Tout ruiné. Tu ne peux rien saisir au tour 1, quel que soit ton perso. T'es obligé d'avancer et de booster. Et ça, c'est 0. Donc, je suis sympa, je mets 1. Bon, du coup, les opportunités, non, je vais mettre 2 en vrai. Vous me trouvez sévère? Vous me trouvez sévère? Bah faites vos maps. Pardon, je suis long. Tac. Si je me suis trompé en plus de... Hop, hop. Attends, c'est quoi mon... C'est quoi mon tour 1 ici? Je sais plus. Alors, tu as un tuto Rupter sur YouTube? Ouais, tu fais point d'exclamation Rube. Alors, sur Zone.fr, le SRAM RO Premium s'appelle Airfeu. Voilà. Ah, merci. Je le modif. Si j'y pense. Faut que je note. Quelqu'un note pour moi? Donc, voilà. Le Sadi Alpha. Voilà. Les mecs, nous, on est là. On est des alphas. On joue sans res et tout. Arbre, surpuissante, gonflable, T1. Voilà. Mais oui, continuez à nous faire rêver avec vos Sadi Alpha. Bien. Alors si je mets ça là, ça reprend là. Donc là, c'est impec. Pourquoi ça... Alors là, par contre, je ne comprends pas.
Attendez. Pourquoi ça ne passe pas, sachant que le sens horaire priorise ce portail en équidistance? Puis ça, normal. On n'est pas dans le cas d'une symétrie, si? C'est considéré comme une symétrie? Il n'y a que en symétrie équidistante, où c'est l'antihoraire qui prime? Pourquoi il me faut un antihoraire, là? Ça doit être, en vrai, ça doit être considéré comme une symétrie, ce genre de bail. Ouais, c'est ça. 4 et 5 cases, non, ils sont tous les deux à 5. T'as une équidistance? Oui, alors, bon. Dans le cas d'une équidistance, le sens horaire prime. Il n'y a qu'un cas de figure où le sens antihoraire est au-dessus, dans la priorité. C'est dans une équidistance symétrique. Et là, apparemment, c'est... Bon, c'est tout, c'est comme ça. Je ne savais pas, je sais maintenant. Tour de skill. Non, les sadis qui veulent jouer farm, jouer une classe en fait. Regardez, c'est trop long. Vous êtes là avec un mode Norez et tout, mais... Bah avec tout ça... Bon après, il n'y a pas été particulièrement long, c'est moi qui ai été long. Je me suis fait auto-ronfler là, on parlait de l'équidistance.